Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans ce schéma Qui est un consommateur secondaire Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre pause un instant sur la vidéo pour voir si tu peux trouver la réponse par toi-même. Et maintenant, on va découvrir tout ça ensemble. Voyons d'abord si nous comprenons bien ce schéma. On a une flèche qui part des herbes en direction de la souris. Ça signifie que les herbes vont à l'intérieur de la bouche de la souris. Ça signifie que la souris mange de l'herbe. Pareillement, on a ici la sauterelle qui mangent aussi les herbes. Et puis on a ces flèches qui partent de la souris en direction du loup, du faucon, du vautour et du chat. Et ça signifie quoi Que tous ces animaux peuvent manger la souris. Et de la même manière, le faucon mange la sauterelle. Donc maintenant que nous comprenons bien ce schéma, on va pouvoir catégoriser tous ces personnages en fonction de leur position dans la chaîne alimentaire. Les herbes, juste ici, ce sont des producteurs primaires. Elles utilisent la photosynthèse, en captant l'énergie du soleil, le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air et de l'eau, elles produisent et stockent de l'énergie au sein de ces liaisons. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la sauterelle et la souris mangent ces herbes pour cette énergie. Et donc, cette souris et cette sauterelle, comme elles mangent directement ce producteur primaire, ce sont des consommateurs primaires. Consommateurs primaires. Je pense que tu commences à comprendre. Ceux qui mangent maintenant les consommateurs primaires, donc ce serait le faucon, le loup, le vautour ou le chat. Ce seront donc les consommateurs secondaires. Consommateurs secondaires. Qui est un consommateur secondaire dans ce schéma On a notre réponse. On pourrait dire que c'est le loup ou le faucon ou le vautour ou encore le chat. Et donc, tu peux voir que ce n'est pas plus compliqué que ça dans une situation où un consommateur secondaire mange un autre consommateur secondaire, comme ici le loup qui peut manger le faucon, ou le vautour qui peut manger un chat, ou même un loup qui aura peut-être mangé un faucon, qui aura mangé une souris, qui aura mangé de l'herbe, mais au final, on va tous les considérer comme des consommateurs secondaires.